Belgique aussi a cette singularité par rapport à d'autres pays d'Europe occidentale, c'est qu'en fait, cette répression de la collaboration, c'est la deuxième fois. Donc il y a l'expérience de 1914-18, donc on a déjà eu ces tribunaux militaires qui ont fonctionné après la Première Guerre mondiale, et donc après la Deuxième Guerre mondiale, ils se remettent très rapidement au travail. La justice belge a un peu, s'est un peu inspirée de la jurisprudence de Nuremberg. Quand Nuremberg, on va dire, voilà, c'est une chose d'établir la responsabilité criminelle individuelle. C'est compliqué, hein, il faut montrer que monsieur X, tel jour, etc. Mais on est face à une telle criminalité de masse qu'on peut estimer, par exemple, que les SS sont une organisation criminelle. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas critiquer ces décisions. En effet, l'ASS était une organisation criminelle, donc être membre de l'ASS, oui, rendait ce membre criminel. Si vous êtes dans une association criminelle, vous êtes vous-même un criminel. Donc il suffit alors de prouver que vous avez effectivement été membre pour subir une sanction. Et donc, dans un contexte où on doit juger rapidement des milliers de personnes, c'est un exercice judiciaire unique dans l'histoire de Belgique, c'est sans commune mesure avec ce qui s'est fait après la Première Guerre mondiale, donc les prisons sont pleines, et donc c'est important de juger le plus rapidement possible, plutôt que d'avoir toute une série de gens qui sont là en détention préventive. La répression de la collaboration a été une opération qui, en gros, a été organisée et pliée en 3 ans. On a ouvert 400 000 dossiers, on a organisé 60 000 procès, on a condamné 50 000 personnes en 3 ans. Quand on réfléchit au retard judiciaire aujourd'hui, on dit à la justice belge aujourd'hui, voilà les gars, en plus de votre travail habituel, on a 400 000 dossiers un peu particuliers parce qu'il y a eu une guerre, et il nous faut 3 siècles pour arriver au bout. Ben là, ils l'ont fait en 3 ans. C'était donc sa nécessité de recruter plein de jeunes étudiants en droit pour qui s'improvise magistrat pour travailler dans une opération très centralisée, la justice militaire, avec un vrai chef, Ranso van der Meers, avec un contrôle de qualité permanent pour vérifier que dans les différents conseils de guerre et cours militaires, on pratique un peu le même droit et les mêmes peines. L'énorme avantage de cette vitesse, c'est que voilà, on a pu tourner cette page. Ça n'a pas été un processus qui a pourri le climat social et politique en Belgique pendant 25 ans. Donc cette justice doit fonctionner rapidement. Donc on ne va pas toujours aller au bout de la documentation dès lors que le dossier est considéré comme suffisamment solide pour nourrir, pour justifier l'inculpation et donc la condamnation. Pour les condamnés, certainement les condamnés de l'automne, de l'hiver 44-45, les peines sont extrêmement lourdes. C'est à ce moment-là qu'on va prononcer le plus grand nombre de peines de mort, que ce soit en présence de l'inculpé ou par défaut. Et s'agissant de Léon de Grelle, le jugement tombe aussi assez tôt. Le jugement tombe le 27 décembre 1944. On est 3 mois et demi après la fin de la libération. Cette date est importante. Pourquoi c'est important que ce jugement tombe tôt? On est à ce moment-là en pleine offensive des Ardennes. Pour Léon de Grelle, qui espère encore toujours une autre issue à la guerre, c'est le moment d'un retour sur le territoire belge. Et donc il est important pour la justice belge d'avoir ce jugement si Léon de Grelle est arrêté. Donc c'est vraiment, on est dans une période où il est là, et donc si on l'arrête, eh bien on aura ce jugement et on pourra à ce moment-là effectivement passer par son exécution. C'est très facile, plusieurs dizaines d'années après la conclusion de la guerre, de dire, surtout si l'on s'appelle Léon de Grelle, c'était un procès politique, je n'ai pas eu droit à une véritable justice. Oui, mais il y avait les circonstances de l'époque. On aurait même fait le procès de Léon de Grelle, une fois la paix rétablie en 1945, 1946, même 1947,
mai 1948, avec le chemin parcouru par Léon Degrelle sous l'occupation, avec les actes qu'il a politiques qu'il avait posés et avec les actes accomplis par ses hommes et approuvés par lui, même en ce temps-là, il ne pouvait qu'être condamné à mort. Ah, donc aujourd'hui, on se dit parfois, ben, finalement, des éléments comme l'éventuelle participation de volontaires partis de Belgique à des crimes de masse ou à des crimes contre des civils sur le front de l'Est, voire à des opérations contre des Juifs, on n'en trouve pas trace ou guère de trace dans ces dossiers d'instruction. Il faut savoir que à partir du moment où la personne a porté les armes contre son pays, cet élément-là est suffisant. Sur le front de l'Est, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est loin, on ne peut pas aller enquêter sur place. Mais il faut évidemment aussi incorporer le fait qu'il n'y a pas de coopération judiciaire. Il y a la guerre froide, il y a le rideau de fer, et donc on ne travaille pas avec la justice soviétique, on ne travaille pas avec la justice polonaise. Or, les crimes ont eu lieu là. Et imaginons qu'il y ait eu une vraie coopération judiciaire, eh ben on aurait pu, en collaboration avec les autorités locales, dire « Attends, ces unités étaient stationnées où ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Interroger les populations locales. Quand le village a été incendié et quand un massacre a eu lieu, quelles étaient ces unités ? Voilà, cette enquête-là n'a pas eu lieu parce qu'on ne coopérait pas dans les enquêtes avec ces pays-là. En Belgique, tous les condamnés ont droit à aller en appel. En général, en appel, les peines sont revues à la baisse. Ils ont droit d'aller en cassation s'ils estiment qu'il y a eu une erreur de procédure. Ils peuvent faire appel au régent et au roi pour avoir une réduction de peine, pour avoir la grâce. Et on va très tôt, dès 46, 47, introduire des mesures pour réduire les peines de façon systématique. Et en 61, avec la loi Vermeulen, il ne faut pas oublier, 61, c'est 15, 16 ans après la fin de la guerre. Donc c'est très, très vite. Avec la loi Vermeulen, eh bien, tous ceux qui ont formulé la demande ne subissent plus de peine. Donc les prisons sont très vite vidées. Cette opération reste absolument remarquable. Mais quand on prend d'autres exemples, en Allemagne, eh ben, on va passer seulement 6000 jugements. Par ailleurs, on va avoir la dénazification qui va concerner tous les membres du parti. C'est une procédure administrative qui ont beaucoup moins de garanties de procédure qu'une vraie procédure judiciaire. Je pense que la Belgique est le pays où le rapport entre le nombre de gens qui ont effectivement passé en jugement et tous ceux qui ont subi des mesures administratives est le plus faible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus jugé et donc relativement moins utilisé ces procédures qu'on appelle ailleurs la dénazification. Ça montre aussi que la Belgique a vraiment essayé de respecter les droits des suspects jusqu'au bout. Donc au niveau des condamnations à mort, la répression était plus sévère à l'encontre des francophones que des flamands. Et allez, des personnes du calibre de Léon Degrelle, on en a capturé en Flandre, c'est Hendrik Elias, le successeur de Staff de Klerk à la tête du VNV, et c'est Jeff van de Wiel, le chef de la Devlar. Ces gens-là ont fait plusieurs années de prison, mais n'ont pas été exécutés. La collaboration n'est jamais une affaire de chiffres. C'est vrai qu'en Wallonie, à Bruxelles aussi, la collaboration était le choix d'une petite minorité, mais c'était aussi, et je le souligne, le cas en Flandre. C'est vrai qu'ils sont, si on veut se tourner vers les dossiers qui se sont établis après la guerre, c'est en Flandre qu'on voit la majorité des cas de collaboration. Mais la réalité d'une société comme la Belgique, une société open, une société pilarisée, une société de classe, il y a toujours des coins de collaboration de tous les niveaux de la société. Et ça, en Belgique francophone, ainsi qu'en Flandre. Donc,
Pour moi, et je crois pour la plupart des historiens, je ne veux pas jouer le jeu des chiffres en disant que la collaboration était vraiment une affaire minoritaire en Belgique francophone, parce que c'était aussi le cas en Flandre. Mais la grande question, c'est toujours c'est comment on définit la collaboration. Parce qu'en Flandre, en effet, la collaboration est devenue le cheval de bataille de tout un phénomène de nationalisme flamand, et ce n'était pas le cas en Wallonie, où la collaboration était plus complexe, plus divisée entre plusieurs tendances. Et s'il y a une réalité politique pour la collaboration en Wallonie, c'est bien sûr la radicalisation d'un certain nombre de catholiques francophones pendant les années 30. La collaboration, elle, au moment de la condamnation, elle prive les enfants d'un père, donc part souvent d'une source de revenus. Elle va parfois appauvrir les familles. Elle est parfois aussi additionnée d'amendes qui peuvent avoir évidemment un impact sur les patrimoines familiaux. Elle va aussi priver les pères ou les mères d'exercer certains métiers. Donc elle a des impacts très pratiques sur les familles. Évidemment, elle a aussi un impact symbolique, puisque le nom du père qui a été condamné, ben, il est transmis à ses enfants. La transmission est symbolique parce que la famille en soi est identifiée par le collectif comme ce lieu de la transmission par excellence. Alors qu'est-ce qui se passe quand notre histoire familiale comporte des expériences négatives, culpabilisantes, honteuses? Soit on les cache, et c'est aussi sans doute la source des secrets de famille. Soit on les cache, ces informations, on ne veut pas les transmettre, on ne veut pas en faire une pièce de notre identité. Soit en fait, on va les valoriser si elles ont du sens dans les milieux dans lesquels on est. Hein, donc c'est aussi pour ça que il existe encore aujourd'hui des cercles de sympathisants de Léon de Grelle et d'anciens collaborateurs. Hein, donc pour des familles qui continuent à évoluer dans ces milieux-là, ces informations, elles ont du sens, elles peuvent être valorisées. Aussi, on peut valoriser ces expériences négatives en parlant, mais avec une prise de recul, et faire de ce passé familial compliqué un objet positif, parce qu'on va le critiquer, parce qu'on va s'en emparer et à dire « oui, j'ai des parents collaborateurs ». Et j'ai souffert de cette situation, mais je veux pouvoir en parler parce qu'aujourd'hui je suis différent, je me suis inséré différemment dans la société et j'ai pris du recul par rapport à ce passé familial. Et donc je pense que là c'est une façon pour les gens de gérer de façon positive ce passé familial très lourd. Et parce que la Belgique est toujours le pays du juste milieu, on n'aime pas tellement la des réalités dont on ne veut pas parler. Et c'est vrai que la Belgique a recréé, après la guerre, ce récit d'un pays patriotique qui a vécu pas mal les années de la guerre. Et ce sont les catholiques de droite, mais aussi les communistes de gauche, qui ont été les vaincus des années 40 en Belgique, à partir de 47, avec le départ du Parti communiste du gouvernement, on entre dans la guerre froide en Belgique, et c'est vrai que les communistes étaient vraiment vaincus à ce moment-là, mais en même temps, il y a ces militants de droite qui ont choisi le camp de la collaboration pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont aussi les vaincus. Donc il y a un peu l'équivalence entre les deux. Et ça, parce que le système démocratique, l'élite démocratique en Belgique, après la Deuxième Guerre mondiale, a voulu créer la paix sociale, mais aussi la paix politique, en disant qu'en effet, qu'autour du Parti catholique, autour du Parti socialiste, autour du Parti libéral, on a le tripartisme qui explique pourquoi la Belgique est restée, malgré tout, un pays de bon sens et qui a éviter ces extrémités politiques, qui n'était pas le cas. Alors, il y a une ambiguïté, je trouve, parce qu'à la fois, il y a d'autres personnalités, je pense en particulier à Hergé, même s'il y a eu un non-lieu, qui vont, eux, occuper l'espace public, mais dont on va
occulter en quelque sorte le fait qu'ils ont pu écrire pendant la guerre. Donc on s'accommode en quelque sorte de cette situation. Je pense aussi qu'à quelqu'un comme Simenon, qui a aussi beaucoup publié pendant la guerre, ou même quelqu'un comme Comstock, qui va continuer sa carrière après la Seconde Guerre. Donc avec un certain nombre de personnages, on a une autre attitude, une attitude, soit on préfère faire comme si on ne savait pas, soit on sait et on s'en accommode, et ce n'est que plus tard que la vague de scandale va apparaître. On va traiter ultérieurement, il va y avoir la biographie d'Assouline sur Hergé, et donc à ce moment-là, on va faire mine de s'indigner, mais est-ce que vraiment on était dans une telle ignorance? Il va y avoir un scandale autour de Stork, est-ce que vraiment on ne savait pas, ou est-ce qu'on n'avait pas voulu savoir? Donc il y a une espèce d'ambiguïté. Et s'agissant de Grêle, il y a aussi, je trouve, une ambiguïté. C'est qu'à la fois, effectivement, c'est un petit caillou qui gêne un discours qui serait lisse, de dire on a tous été résistants. D'un autre côté, quand je pense à De Grêle et en particulier à l'image des légionnaires wallons, il y a un peu une fascination-répulsion. Il y a toute une littérature grise qui existe de la part de ces légionnaires. C'est peut-être les seuls à avoir effectivement écrit. Il y a aussi du côté français une série de travaux sur les légionnaires wallons, parce que du côté français, il y a eu beaucoup moins de volontaires qui sont partis se battre sur le front d'Est. Donc il y a une espèce d'admiration de leur performance militaire, entre guillemets. On occulte complètement d'autres aspects de cet engagement. D'un autre côté, quand on pense à Léon De Grêle, il y a eu une quantité de travaux, de mauvais livres qui lui ont été consacrés. Donc ça reste un sujet de librairie. Dernier aspect, il y a Léon De Grêle lui-même et sa légende. Léon De Grêle qui a continué à publier après la guerre, qui a continué à rencontrer d'anciens rexistes, et donc qui a aussi un petit peu nourri sa propre image. Il est resté figé dans un discours, il n'a jamais été dans le regret, dans l'idée que son comportement a été préjudiciable. Au contraire, il a construit une légende autour de son engagement. Et donc cet aspect-là, bien sûr, c'est une littérature qui ne circule pas ouvertement, mais là aussi, c'est une littérature grise qui a continué à circuler. Donc je me dis, il y a plein d'ambiguïtés autour de la figure de Léon De Grêle. La Belgique, c'est un pays magnifique pour les historiens. Pour les historiens de l'Europe contemporaine, parce qu'on trouve à l'intérieur du pays toutes les tendances idéologiques qu'on trouve ailleurs en Europe. Mais il y a aussi cet aspect spécifiquement belge, c'est-à-dire la division entre des communautés linguistiques, idéologiques, etc. Et tout ça a créé une réalité pendant les années 40 en Belgique qui était vraiment un microcosme des conflits qu'on trouve ailleurs en Belgique, en Europe. Et c'est pourquoi j'ai choisi la Belgique comme la terre idéale pour découvrir en effet la réalité de l'Europe du XXe siècle, mais en même temps, et je le souligne, la complexité de la vie en Europe pendant le XXe siècle. Parce qu'on a trop souvent tendance aujourd'hui de croire qu'en effet que la réalité de l'Europe du XXe siècle était plus facile à comprendre que c'était le cas pendant les années 30, les années 40. À ce moment-là, c'était vraiment un conflit qui dépassait les gens. Et à l'intérieur de la Belgique, ainsi qu'ailleurs, il y avait pas mal de gens qui ne comprenaient pas grand-chose de ce qui se passait autour d'eux. Il y a des enfants, des petits-enfants, qui aujourd'hui doivent vivre avec un héritage difficile. Et je crois que c'est absolument important, plutôt que de stigmatiser et de dire « ben voilà, c'est le fils d'un tel ou d'un tel », comme ça s'est fait dans les sociétés, et je pense en particulier dans des sociétés très fermées, comme les villages, où on savait ben, tel boucher ou tel avocat, pendant la guerre, il avait eu ce comportement suspect, et les générations qui suivaient en portaient l'héritage, c'est au fond d'être dans une stratégie d'écoute. Une stratégie d'écoute qui, pour moi, interpelle quand il s'agit de la collaboration, comment vivre avec ce passé maudit, ce passé difficile, mais qui sera tout aussi intéressant d'aller décoder dès lors qu'il s'agit d'enfants de résistants. Parce que les enfants de résistants ont aussi souffert, et j'en ai interrogé un certain nombre, et l'idée que leur père ou leur mère avait pendant la guerre choisi
de se consacrer à une cause, si noble soit-elle, plutôt que de s'occuper de ses enfants, hein, ce qu'on considère comme la priorité, un père ou une mère doit s'occuper de ses enfants, c'est aussi quelque chose qu'ils ont vécu dans leur chair de manière très dure. Et voir revenir des parents meurtris parce qu'ils ont été déportés, ou voir des parents meurtris parce qu'ils ont fait cette expérience difficile sur le front de l'Est, ça a forcément impacté ces générations-là. Et donc, ces générations-là, aujourd'hui, elles nous interpellent, elles ont quelque chose à nous dire, et je dirais, il est urgent, hein, compte tenu du temps qui passe, il est urgent aujourd'hui d'essayer d'aller à leur écoute et de les convaincre de témoigner. Ouvrez donc les archives. C'est un droit citoyen, mais c'est aussi un vrai travail. Tant que les descendants n'ont pas accès à ces archives, des archives dont beaucoup de membres de la haute magistrature et les ministres de la justice successifs craignent qu'elles soient accablantes pour le travail de la justice belge, alors qu'elles ne peuvent être accablantes que pour la collaboration elle-même. Et on sent des frustrations qui montent. Moi, j'ai des gens qui et parfois ça se passe mal, qui disent, je veux dire, ma vie, c'est vrai, moi j'ai accès à ces dossiers. Parce que la politique, en ce moment, elle est scandaleuse et je le dénonce sans cesse. Je n'ai pas, en tant qu'historien professionnel, avoir plus de facilité à avoir accès au dossier de votre grand-père que vous. C'est dégueulasse et je ne cesse de le dénoncer. Mais voilà, on est toujours, voilà, de fait, une corporation de privilégiés qui ont accès au secret du secret. Et il y a là, voilà, ce n'est pas normal dans une démocratie moderne de cacher des archives qui entre-temps, ont 80 ans. Et c'est un travail de salubrité publique, d'ouvrir. Il n'y a qu'en se confrontant aux archives qu'on peut comprendre le passé, qu'on peut l'assumer. En effet, comment voulez-vous demander à quelqu'un d'assumer un passé qu'il ignore ? Vous pouvez lui donner l'injonction morale, voilà, d'une part, je pense. Et je parle en tant que petit-fils de nazi. Ce n'est pas parce que je suis petit-fils de nazi, j'estime qu'on n'a pas le droit de me faire des reproches. Je dis parfois à des gens qui disent, mais oui, toi, petit-fils de nazi, je dis, attends, pour autant que je sache, c'était le raisonnement des nazis. Et d'ailleurs, les nazis, pour être juif, il fallait avoir 3 grands-parents juifs. Si vous pensez que pour être nazi, il suffisait d'avoir 1 grand-parent nazi sur 4, voilà, on ne rentre pas là-dedans. On est dans une éthique de la responsabilité personnelle. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être le descendant de quelqu'un d'autre. Par contre, on peut le reprocher de ne pas avoir le courage d'affronter ce passé. Mais si on dit aux gens, vous devez avoir le courage de regarder le passé droit dans les yeux, ben alors il faut ouvrir les archives. Il faut avoir confiance dans la transparence. On a des archivistes qui sont absolument formidables, de compétences, d'humanité. Il faut donner les moyens aux archives nationales, aux archives du Royaume, d'accompagner les gens dans cette démarche. Mais c'est ça qu'il faut faire.